Il est là un appel à toute la population ivoirienne, en général et aux acteurs de la vie politique en particulier, à œuvrer pour une campagne électorale apaisée et un scrutin sans débat. À cet effet, je remercie tous les candidats à ces élections de s'être engagés à préserver la paix à travers la signature du bulletin et exhorte à cultiver la cohérence et la courtoisie dans les discours pendant la campagne électorale, à bannir tout acte et autre comportement susceptible de porter atteinte à la cohésion sociale. J'invite en outre les candidats à privilégier le recours prévu par la législation électorale pour exprimer d'éventuels désaccords. J'appelle les partis politiques, leurs militants et sympathisants, à une campagne électorale apaisée et respectueuse du jeu démocratique. La démocratie doit s'exprimer dans le respect de l'autre afin de garantir à notre pays une paix durable. J'invite les journalistes, les autres professionnels des médias à faire preuve de responsabilité dans le traitement des informations relatives à cette élection et à s'abstenir de tout écrit ou parole susceptible d'inciter à la haine, à la division et à la violence. J'appelle la population et particulièrement les jeunes à s'investir individuellement et collectivement dans la consolidation de la paix et le renforcement de la cohésion sociale avant, pendant et après ces scrutins. Ivoiriens, Ivoiriennes, agissons ensemble pour des élections sans violence, pour une Côte d'Ivoire forte, unie et prospère.